Putain. Chier. Et bah putain de merde. Je suis vraiment un sale branleur quand même. Eh bien bonjour ou bonsoir tout le monde, c'est LittleDBZ et c'est la troisième fois que je tourne un putain de gameplay, tout ça parce que ce système d'enregistrement PS4, c'est n'importe quoi, c'est incompréhensible, ça en fait qu'à sa tête. Ah c'est super pratique, hein, c'est clair, hein, on nous propose d'enregistrer 15 minutes de gameplay. Mais faudrait-il encore que ça soit que ça marche correctement? Parce que bon, hein, ça me prend un peu la tête quand même. C'est, je suis là censé vous présenter 15 minutes de gameplay Battlefront. Mais là j'en suis, je vais entamer 45 minutes de gameplay. Ça commence un peu à me taper sur le système, vous comprenez? Alors sinon, j'espère que vous ça va. J'ai hésité à vous faire une vidéo soit sur Battlefront, soit sur Black Ops 3. J'ai choisi Battlefront car Black Ops 3, j'aimerais vous faire une vidéo en compagnie de la Fox One. Et oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu la Fox One, hein, HT Call et Laser Cutcher 2. S'il peut y avoir notre cher ami ZR, la suite de son nom est trop long, ce serait cool. Bien que leur, le nom de clan de HT Call et ZR soit Jésus pour l'instant, peu importe. J'attends, ouais, j'attends, j'aimerais vous faire vraiment une belle vidéo dessus. Si ça pouvait être un zombie, ce serait sympa. Mais là encore, ce serait compliqué. Parce qu'un zombie de 15 minutes, non. Alors ça, c'est seulement d'une histoire d'HDPVR et toutes ces conneries. Donc, pas pour tout de suite. Mis à part ça, on se retrouve donc sur Battlefront. Et on va faire, alors là, j'ai fait une suprématie, une traque des héros. Bon, non, j'ai pas envie de les refaire. C'est tant pis, ce sera une prochaine fois. Là, je sais pas. Hein, j'ai envie de faire un truc que j'ai pas fait encore. L'escadron de chasseurs, je ne le voulais pas présenter encore en vidéo. L'escadron de chasseurs, c'est tout simple. C'est une bataille qui a lieu dans le ciel, pas dans l'espace. J'espère qu'ils vont rajouter l'espace parce que putain, Star Wars, ce qui se passe pas dans l'espace, c'est quand même assez dommage. Donc là, on va être dans le ciel de Jakku, le cimetière des géants. C'est l'endroit qu'on voit dans Star Wars épisode 7, c'est à cet endroit-là, je vous l'ai probablement déjà dit dans ma précédente vidéo, mais c'est pas grave. J'ai acheté le Season Pass. Le Season Pass, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'heure de mon moment de... Je vais faire la pub pour le Season Pass. Achetez le Season Pass si vous avez l'intention d'acheter les futurs DLC. Et là, vous allez me dire, mais ça coûte 50 euros le Season Pass. Oui, mais là, je vais vous expliquer. Le Season Pass, c'est une merveille en termes d'économie. On va prendre le A-Wing, c'est hyper cheaté. Alors, pourquoi? Il y a, il me semble, 4 DLC, un peu à la manière de Call of Duty, qui vont coûter à peu près 15 euros chacun. Donc, vu à la première personne, incroyable. 4 DLC de 15 euros, ça vous fait un total de à peu près 60 euros. 60 euros dans les DLC, donc vous achetez le jeu, on va dire, vous achetez le jeu à peu près à 40, 60 euros plus 60 euros. Bon, vous en avez à peu près pour 120 euros de jeu au final. C'est une belle somme, on peut le dire, c'est une belle somme. Là, le Season Pass, à quoi ça va servir? Le Season Pass, eh bien, tout simplement, c'est 50 euros pour avoir les 4 DLC quand ils sortent, enfin, à chaque fois qu'un DLC sort, vous l'avez.
Et en plus, vous avez quelques nouveautés que les autres joueurs n'ont pas. Vous économisez alors 10 euros au lieu de payer 60 euros 4 DLC, vous payez 50 euros 4 DLC et 2-3 conneries que je n'ai même pas trop fait gaffe par une emote. Mais c'est quand même 10 euros d'économiser. Et quand on a l'intention de tout s'acheter, et bah c'est pas rien. Parce que 10 euros, bah je vous assure, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Par exemple, se payer bah, les DLC de Black Ops 3. Tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit instant pub. Hein. Achetez-vous le Season Pass, c'est génial. C'est vraiment. Je vous dis pas des conneries. C'est. Parce qu'en fait, je me demande même. Enfin. Pourquoi les gens ne se l'achètent pas? Je veux dire, ça paraît évident. Ça nous fait payer 10 euros de moins. 10 euros de moins. Alors pourquoi? Pourquoi. Pourquoi tout simplement ne pas acheter le Season Pass, quoi? Bon. C'est pas grave. Hop là. Hop là. Réparation de véhicule. Je suis en train de longer hein, pour voir s'il n'y a pas le Faucon Millenium quelque part. Que je pourrais choper au passage. Mais je pense que quelqu'un l'a déjà. Donc voilà, c'était mon petit instant. Acheter le Season Pass, c'est trop bien. Mis à part ça, je vais vous parler aussi des patchs. Vous avez pu remarquer que quand j'ai choisi le A-Wing, je vous l'ai dit, le A-Wing est cheaté. Alors là, ça, alors moi je suis un joueur nul, je suis nul, je suis vraiment un des plus mauvais joueurs qui existent au monde sur les FPS. Donc c'est pas moi qui vais vous faire la démonstration de ce qui est quelque chose de bien ou pas bien. On nous a détruit notre transporteur, c'est pas bien. Très bien. Hop là. Oui, donc, le A-Wing est cheaté. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose de cheaté? En quoi peut-on parler d'une arme quand elle est cheatée? Cheaté, c'est tout simplement, en gros... alors, cheaté, on peut le traduire par tricher, en général. Mais quand on parle d'une arme cheatée, c'est une arme qui a une puissance ou fait quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal que ce truc soit aussi efficace. C'est trop abusé. En gros, on pourrait comparer ça. Déjà une défaite, super. On pourrait comparer le mot cheaté à abusé. Le A-Wing est cheaté car, par exemple, en suprématie, il y a beaucoup de vaisseaux. Et on trouve donc beaucoup de A-Wing. Et je vous assure que dans une map en extérieur, quand il y a des A-Wing qui volent au-dessus de vous et que vous êtes dans l'Empire, c'est terminé. Dites adieu à votre partie, les A-Wing, que vous soyez en l'air ou sur Terre, ils vont vous mettre la race. Ils sont abusés. On ne peut pas vraiment l'expliquer. Ils sont juste abusés. Leur puissance est abusée. Voilà. Hein ? Ça, c'est clair. Ça, c'est quelque chose. En général, quand un développeur ou quoi patch des éléments du jeu, c'est en général ce qui est cheaté ou certains bugs. Très bien. Expliquez-moi pourquoi les A-Wing sont mortellement puissants alors qu'on nous a patché l'arbalète Wookie. Et là, je vais vous expliquer. L'arbalète Wookie, c'est une arme qu'on débloque à un niveau quand même assez élevé, je sais plus vraiment lequel, mais à un niveau assez élevé. Dans ce jeu, monter de niveau, même si moi je suis mauvais, même un bon joueur, enfin c'est long de monter de niveau, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas comme dans Call of. Monter de niveau c'est quand même assez galère, faut en chier pour monter d'un niveau. Donc, débloquer l'arbalète Wookie, ça se mérite. C'est pas comme ça, c'est pas donné au premier venu. Donc là, vous avez... Attendez. Hein. C'est pas donné au premier venu d'avoir l'arbalète Wookie. Donc, c'est une arme qu'on a le mérite de débloquer. Quand on l'a, on mérite de l'avoir. C'est une arme qui n'est pas une arme principale. C'est une arme... une carte, quoi. C'est on appuie sur L1 ou R1 et on peut utiliser l'arme. Si on l'utilise, qu'on tire avec, on doit attendre un certain temps, pas non plus immense, mais un temps qui est quand même considérable, pour pouvoir la réutiliser. Et c'est très bien, je critique pas, c'est très bien.
C'est très bien dans le cas où l'arbalète Uki était une arme efficace. On la charge. Alors si on tire simplement avec l'arbalète Uki, ça faisait des dégâts, des bons dégâts, mais voilà. L'arbalète Uki, si on veut faire des dégâts, il faut la charger. J'arrête pas de détruire des X-Wing, je suis fier de moi. Si on veut faire des dégâts, il faut la recharger. Charger l'arme, ça veut dire qu'il faut quand même prendre le temps de la charger sans se faire tuer, être sûr d'avoir sa cible, qu'elle prenne pas la fuite pendant qu'on charge. Seulement tout un paquet de trucs. Donc quand tu charges ton arme, que tu tues un ennemi, que tu le one-shot ou pas, quand tu tues un ennemi avec l'arbalète Uki, tu as du mérite de l'avoir tué. Parce que t'as galéré. T'as galéré pour avoir ton arbalète Uki, t'as galéré pour charger, t'as galéré pour attendre à récupérer la balle que t'avais perdue. Et finalement, t'as eu ton ennemi. Donc t'en as chié pour le tuer, ton ennemi. On est d'accord. Expliquez-moi. Pourquoi? Oh putain! Boba Fett. Pourquoi on patch une arme qui a le droit, qui peut se permettre d'être cheatée? Je crois que je vais lui faire une attaque kamikaze à ce mec. Hein. Oh putain, il m'a évité. Bon, bref, pourquoi on patch une arme que les joueurs ont du mal déjà à avoir et qui fait des dégâts seulement si on s'en sert bien, alors qu'on ne patch pas un véhicule comme le A-Wing que tout le monde peut avoir à n'importe quel moment et qui fait des ravages, c'est n'importe quoi. C'est Bagdad City quand on a les A-Wing dans la partie. C'est l'enfer. Alors expliquez-moi, hein? On a patché l'arbalète Wookie. Qu'on nous rende l'arbalète Wookie et qu'on se torche un peu sur les A-Wing. Nom de Dieu, je veux dire. C'est quand même impressionnant. Si maintenant ça vaut plus le coup d'XP, faut pas déconner. Parallèlement, c'est comme le DL44, qui est la dernière arme qu'on débloque. Et alors là, elle en atteint le summum du shité, je trouve, comme arme. Hein, le DL44, c'est le blaster de Han Solo. Vous pouvez le débloquer au niveau, je sais plus, mais c'est la dernière arme que vous débloquez en gros. Et là, c'est un carnage. Alors ça, par exemple, patchez ça. Mais ne patchez pas l'arbalète Wookie. Oh non, oh jamais, ne patchez l'arbalète Wookie. Merde, merde et merde. Les gars, sérieusement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, à part ça, j'ai hâte de voir la prochaine mise à jour, le prochain DLC, ça va être cool, Bespin, je crois, tout ça. Je crois que le Season Pass me permettra d'avoir le palais de Jabba et je sais pas si tous les joueurs pourront l'avoir. Donc, encore un avantage. Enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je suis assez peu informé encore sur les avantages du Season Pass. Je sais juste que ça fait économiser 10 € et c'est pour ça que je l'ai acheté. Là, on a. Ah oui, faut que je détruise ça. Mis à part ça, j'ai pu faire une petite partie de Black Ops 3 avec ZR et SGT Call. Je dis ZR parce que son nom est trop long. Donc, j'ai fait une partie de Black Ops 3 avec eux. Le jeu est excellent. Et moi, si SGT Call voit cette vidéo, je m'adresse à lui en particulier. SGT Call se plaint. Il meurt, enfin, comme tout joueur, hein, de toute façon, je vous cache pas. SGT Call, je prends l'exemple de SGT Call, mais SGT Call représente tout le monde. SGT Call fait un kill, le jeu est trop bien. Il fait un deuxième kill, le jeu est trop bien. Mais on se retrouve face à une armée de connards qui jouent n'importe comment, avec des armes, mais abusés, qui campent, qui font les gros fils de pute. Et là, c'est sûr qu'AGT Call va nous dire que ce jeu est nul. Black Ops 3 est un excellent jeu. Bien qu'abusé, c'est Call of Duty. Black Ops 3, et ça se passe comme c'est la suite. Enfin, c'est pas une suite réelle, chronologique. Enfin, c'est pas une suite en termes d'histoire de Black Ops 2, mais voilà. Ça se passe en 2065. C'est la suite. C'est une suite de Call of Duty. Donc au bout d'un moment, t'es obligé d'avancer. Tu peux pas. Une fois que t'as fait le passé, tu dois avancer. Tu peux pas revenir en arrière. Ils vont pas refaire la guerre du Vietnam ou la Seconde Guerre ou tout ça. Ils peuvent pas. Ça aurait aucun intérêt. Alors,
Black Ops 3 est un excellent jeu en termes de gameplay, de nouveautés, tout ça. C'est un très bon jeu. Mais la communauté, une fois de plus, c'est un classique. La communauté, c'est qu'une bande de connards, de tocards, c'est des nouveaux en général qui jouent au dernier Call of Duty. Oh, putain, le fou combien. Donc forcément, oui, ne crachez pas sur Black Ops 3, crachez sur sa communauté. Continuez, vous avez totalement le droit de cracher sur la communauté, elle est infâme, cette communauté. Mais le jeu est très bon, c'est mon avis dessus, et j'ai hâte de vous faire du zombie. Sur ce, je dois terminer ce commentary en vitesse, j'ai plus beaucoup de temps d'enregistrement. Alors je vous dis, prenez soin de vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye !